vous abonner, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour abonner, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour abonner, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour abonner, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour abonner, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour abonner, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour abonner, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour abonner, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour abonner, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour abonner, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour abonner, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour abonner, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. Abonner. Abonner. Subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour abonner. Subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour abonner, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour salut tout le monde, non pas moi c'est Marc Lebet. N'a bien bienvenue dans Mitan Kafoua. Connais que Mitan Kafoua c'est pour des gens ordinaires qui font travail extraordinaire, des gens qui aiment yo pas parler de tête yo. C'est ça yo fait qui parle pour yo. Et chaque jour yo lever qui ça yo fait. Yo penser à vous-même, yo penser à moi-même. Y a le travail, yo valoriser nous toutes dans tout ça que y a fait. Et peut-être ça nous mène dans Mitan Kafoua pour nous valoriser. Ce sont des gens qui aiment, très humbles. Yola, ce sont des Haïtiens ordinaires qui font un travail extraordinaire chaque jour. Tout dit à comme invité, qui est-ce nous gagne? Nous avons Madame Gypsy Metellus qui sortit dans le centre. Plus de 20 ans d'expérience dans la communauté haïtienne. Non? Et ce n'est pas là que nous commençons. Il commence longtemps, depuis le tout petit, à servir les gens. Et son bagage que nous prenons en famille, son bagage que nous prenons en sang. Tout ça, le fait, le pas qu'à quitter. L'obligé à rester, il a continué à faire. Et nous, moi, c'était pour nous reconnaître haïtien valable en dans la communauté, eh bien, je dis à celui même que nous gagnons, nous avons valorisé et nous avons dit merci pour le travail que l'a fait, que l'a continué à faire et le pas bien me fatiguer d'après ça, moins qu'on est, d'après l'expérience que moi-même personnellement que je fais avec. Madame Metellus, Gypsy, bienvenue dans Mitan Kafoua, comment est-ce? Merci, ma femme Marc, je suis bien content de croiser avec vous dans Mitan Kafoua. Et son bel espace, parce que, au moins, ce qu'on est, comme haïtien dans la tradition, nous ne pouvons jamais finir de parler, et même là, nous sommes dans un espace bien précis, nous continuons la conversation dans Mitan, la rue, ou bien sur un trottoir, dans Mitan Kafoua, si nécessaire. Tout à fait. Donc, c'est un plaisir pour nous, pour Kafoua, passer. Quand on va parler avec un ami, t'as même qu'à faire ça. Il y a un bagage que grand-père me dit toujours dit. L'encroisé avec un haïtien, sous balle de tête, parler avec elle, littéralement raconte une belle histoire. Ou à d'amour, ça a fait une balle, ou à prendre Haïti beaucoup plus. Parce que haïtien tellement une histoire pour côté monde dans sorti, côté le rivé, belle bagage que l'a fait pour mettre le pays devant tout le temps. Et pour ces gens dans le monde, ça. Première chose que nous toujours demandé d'inviter nous dans le temps d'avoir. Qui côté vous faites? Parlez-nous de enfants. Très bien. Bon, moi, je fais Port-au-Prince, Haïti.
Et c'est vrai que parents d'origine cap-haïtien du nord et enfin moi pas vraiment de jambes qu'on au cap moi connais que mal au cap là j'étais très 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 jeune même pas gain aucune mémoire vraiment de ville là ce n'est que dans grand monde moi justement à partir de capacité et travail moi dans Miami que moi aller au cap une fois et comprendre m'vienne connaître ville connaître ville apprécier puis plus sa ville ça représentait pour moi-même comme héritage familial parce que pas oublier me dit que enfin famille sous bon maman c'est capaïtien sorti donc enfin quand même sont nos familles historiques les Pinchina c'est même Pinchina ça de Gonaï de Gomone Et là, vous remarquez que vous quittez Haïti à très jeune âge. très jeune quitte Haïti à 12 ans À 12 à ans. l'âge de 12 ans quitter Port-au-Prince, famille mal habité New York, donc mal rejoindre maman. Là que ma école, enfin, middle, senior high school, et puis collège tout, l'homme fini dans Queens College City, University of New York. C'était déjà 83-84. Miami était vraiment à la mode, et à la mode pour des raisons qui peuvent faire nous fiers. Là, c'est Miami qui côté, c'est la terrain, côté mon à comprendre, à pas apprendre à comprendre. Ça le représentait. J'étais à Miami et puis parents m'ont vu de Miami et tout. Et puis bon, m'a traversé, m'a pralé tout. Puis ils ont ça. J'habitais New York, t'es toujours demandé, mais ça me pral fait Miami. Miami, son vie, bedroom community, une communauté côté mon aller, comprendre c'est tout. Et il a demandé, ça me t'a bien fait. Et pourtant, des même comprendre ça me t'a bien fait. Même qu'on aime te vlevini. Qu'on est leur avec Léo parce que l'ensemble, eh bien, et c'est ainsi que je reconnais maintenant différentes activités culturelles. Ça, Caleb Center, tu à la mode en pile, en pile, en pile, dans la communauté Panou. Époque, ça, c'était Félix Maurice Leroy, avec un petit groupe tout qui est les baguettes créoles. Donc, ces groupes culturels, ça, que Société Coucou, ils viennent traverser des moments difficiles. Premièrement, réfugiés, ça, ils jouent une place normalement, normalement. Le gouvernement fédéral, local, etc., respecter les droits mondiaux, justement, pour que ils vivent correctement. Mais en même temps, tout, on est que nous t'es très voulu que tout le monde comprenne. Pour qui ça, Haïtiens, ça y est, obligé à quitter le pays dans conditions, ça y est. Et à l'époque, ça, vous nous rappelez, Mounio, c'est l'époque de la C'est en pleine dictature. À la fin de la dictature. C'est ça. C'est Jean-Claude Duvalier qui l'a, puis qui a ferraillé son dictature qui, s'il n'a pas oublié, qui était soutenue par les États-Unis. Donc, puisque c'est là, Miami, que drame réfugié évoluer, il était important que nous fassions toute Amérique hein, comprendre pour qui ça, pour qui ça mon là, qui ça qui a poussé d'eau, qui condition en Haïti, qui fait que mon apprend passeport requin, j'avais déjà dit, hein, et donc pour qui ça nous-mêmes de côté, pas nous t'a demandé que les États-Unis non seulement reconnaissent yo, mais bayo abri, accepter yo et puis permettre que yo capable de redémarrer vie yo. Avec un statut légal. Donc, c'était tout en bataille, c'était tout un moment historique dans l'histoire historique dans communauté ça. l'histoire et communauté haïtienne. Tout à fait. Okay. Mais de New York étant, c'était tout à fait différent, ou à l'école. Est-ce que l'école ou à l'époque, tu es un professeur haïtien, tu es ou du moins ses parents, okay, maman ou bien un cousin ou ma tante qui était là pour aider dans New York? Eh bien, c'est très curieux parce que m'pas qu'à dire que m'gon mémoire de un paquet de professeurs haïtiens. M'pas vraiment croisé professeurs haïtiens. Nous t'es valorisé, pas vrai? Que c'est capacité pour moun parler langue, aller dans le pays d'Haïti, tradition culturelle, théâtre, etc. Parler un petit peu de littérature et histoire d'Haïti. Et puis, en tout, réalité socio-économique et politique. Ouais, parce que Haïti, c'est un pays qui a un potentiel extraordinaire que peut-être en pile dans nous, nous-mêmes Haïtiens, nous ne pas reconnaître potentiel de ça. Donc, si nous ne pas reconnaître, nous ne pas qu'à exploiter. Ouais. Donc, et je pensais que, et une période dans la vie, pendant que j'étais Queens College, eh bien, j'étais gagné chance peut-être et gagné des amis qui permettent un petit peu évoluer et épanouir. Toujours sur Haïti. M'a songé très bien, si par exemple, m'a regardé nouvelles, si c'est pour voir comment m'a appelé tout le monde la caméra pour me dire mais il y a parlé d'Haïti dans nouvelles. Donc ça Haïti est présent pour nous et jusqu'à présent Kembe, non seulement Kembe attache à un pays,
bon, mal à Haïti de temps en temps, c'est des personnes pas qu'à voyager, donc pas qu'à aller encore, mais et tu sais aller dans le pays, hein, qu'aimer des relations avec différents mondes dans le pays, hein, essayer de comprendre la réalité qu'à travers ces pays, ça, tout, c'est des bagages qui sont importants pour moi. Non, il y a une bagaille que je valorise au police, si vous entrez à 13 ans, tout ça on fait c'est en anglais. Tout à fait. Ça veut dire que au bon certaine maîtrise de langue créole, là, de langue française, là, il n'y a pas les langues dans la caille, mais tout ça on fait en anglais, mais on parle en créole qui s'accent. Et il faut me valoriser pour ça, c'est extrêmement Merci. important. Merci. Et Et c'est ça parce que montre que c'était l'important pour voulu. la culture, C'était pour la voulu. langue, la caille. C'était voulu. C'est non Mais... seulement la caille, moi, ils ont entraîné ça, mais d'un côté tout, moi, m'a songé que m'apprendre tête moi écrit créole. Hein? Le, par exemple, arrivé Miami, l'époque ça, nous t'es fait partie d'une équipe radio, c'était Radio Lac-en-Ciel, puisque une animatrice dans l'émission radio ça, et eh bien, nouvelle, c'est en créole pour être écrit, donc il fallait que m'apprenne écrit créole, et puis voilà. Mais m'écrit créole qu'on rate, je nous dis, je nous dis la Donc, deux caillou. bagailles que yon si moun fè. Soit le soti bo kote maman, soit le soti bo kote papa, soit le soti bo yon moun nan fami, Tout à yon fait. moun ki close nan fami. Tout à fait. E gen ki pren nan le san. Ou men, patisipe nan tout bagay ayisyen, fè moun konen sa ki important kultu nou. Ki kote ou pren? Est-ce que c'est maman, papa, ou bien comment? Même le pas trop, même pas parce que j'ai l'impression, ouais, c'est peut-être ça montrait nécessité pour que on moune ou cherchait on spécialiste en santé mentale parfois ou que c'est une expérience pas marquée au point qu'on même qu'on est que une famille qui fait expérience et ils ont du valier. Et donc, il y a l'autre famille qui fait expérience asile politique, exilé politique. Donc, on connaît que moun sa été proche moins assez que expérience ça. On connaît ça. Qu'on y a que me comprendre certaines réalités. On connaît que ça, c'est yon bagay qui manque vim. Ouais. Donc, est-ce que c'est là intérêt pour Haïti sorti? Peut-être. Ça suscitait certainement yon minimum d'intérêt pour que toujours participer pour dénoncer ça moins estimé qui pas bon en Haïti. Ouais, donc oui, c'est là ça a commencé et puis bon ça vient prendre l'autre forme, comprendre mieux et puis m'a intégré tout, c'est de l'autre activité. Ouais. Et parlons aussi c'était des personnels qui s'accueillent. Oui, maman était en institutrice en Haïti et l'a obligé quitter pays d'Haïti pour traverser New York et bon connaît, il fait expérience tout immigrant tant qu'on lit. Arrivé New York, eh bien, travail qu'on joint dans c'est lourd fait. Donc, en passant par factory, je me souviens, moi-même, j'ai travaillé dans factory souliers. Tu sais, c'est le vin plus grand, m'a compris la valeur factory ça, et puis m'a dit, tiens, où t'es supposé qu'il y a plus de souliers? Alors, en plaisantant comme ça, mais non, expérience dans factory souliers. Ensuite, travail comme mon cap travail. Moun kap nettoyer kay moun et moun kap travay tout pour occuper ti grand moun jusqu'à ce que l'on éducation et puis finalement l'on rentre Floride il continue en éducation jusqu'à ce que l'on traité comme paraprofessionnel j'en ai dit ça mais essentiellement fonction maman c'était vraiment non seulement reach outreach to parents pour assurer que parents yo te Marcher bien la caille, comprendre parler avec yo aider yo naviguer différents aspects dans le système là mais j'ai l'impression que tout petit monde que maman me touché bon ici là c'est dans aider yo dans tutoring dans aider yo maîtriser langue là lire pi bien comprendre pi bien ça fait donc là dans ce sens ça amour que tu as toujours gain pour éducation et pour petit monde il était conservé jusqu'à ce que l'on traité. Maintenant, du côté de papam, c'était un professionnel tout, hein, et donc, bon, mathématiques, etc., et mathématiques qui tombaient sous accounting ou bien comptabilité, ok? Donc, ben, même, on songeait tout que, moun te toujours dit que, fom te grandi, alors, dans le langage haïtien, il faut grandir, puis faut vivre une grande femme d'un coup, papa. Il faut être intelligent, il faut être fort, faut vraiment. Donc, c'était toujours un bagage qu'il a poussé. Vous comprenez? Tout à fait. Tout à Ça veut fait. dire que, dans deux, à qui est-ce que vous sentez le plus proche?
professionnellement et personnellement. Deux parents, yon? Deux parents, oh, certainement. Professionnellement, si vous parlez de maman ou papa, qui sont dans chaque ou bien dans la vie personnelle? Mon cher, m'a dit maman, parce que c'est avec maman que non seulement développé, tu sais, certaines habitudes que moi-même gagne. Mais son moun, Ghislaine, Gigi. Ghislaine Pinchina. Gigi, nous valorisons dans la vie de la foi, qui sont enceintes. Parce que nous haïtiennes ordinaires, qui font un travail extraordinaire, monde qui va là. Et sont références liées pour nous, dans la communauté haïtienne, dans le ici, et n'importe côté qui est haïtien. C'est ça. Donc, Gigi, c'est mes sont références liées. Tout à fait. Donc, m'a dit maman, et m'a dit, pendant que m'a dit ça, m'a réalisé que presque nous tous haïtiens, que nous revenons kay qui gagne. Yon maman ki yon papa, hein? C'est toujours maman qui joue un rôle extraordinaire sur la vie nous toutes. Donc, pour certains de nous, maman nous, c'est et maman nous et papa nous à la fois. Hein? Parfois tout, maman c'est lui-même qui gagne yon pouvoir, yon, c'est lui qui inspire, c'est lui qui entraîne, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui aide. Tout, dans tout sens. Donc, dans ce sens, ça m'a dit que du côté de maman, moi prends discipline. Moi prends tout amour pour aider moun et puis bon moi bon supposer que intérêt que m'gagne pour moun pour communauté pour pays pour côté m'ap viv lan pour famille m'ta dit que c'est côté maman que m'prend ça tout. Okay. Alors grand pile expérience pour faire de New York étant qui ça l'a quitté New York pour rentrer ou venir Floride, que on dit waouh, on va pas quitter ça dans l'Amérique là. Qui ça t'a marqué comme expérience? De association de ensemble de étudiants, nouvelle cabaye, ensemble toujours pas intéressé. Mais professionnellement, qui va le mener où tout pour venir boy ici? Qui ça t'a marqué? Bon, j'ai dit tout à l'heure, l'homme décidé m'a traversé ma il y a un pile d'amis qui m'a dit mais ça pral faire là parce que pas gagné pour vous là et professionnellement son ville qui morte son ville de retraité etc. comment faire quitter New York en ville qui tellement gagne pile possibilité et puis vous comprenez il y a parce que c'était très important donc il a fait me songer pour pral ou pas gagne Manhattan ou pas monter train c'est des activités que me terrain donc aspect excitation tout ambiance culturel qui gagne dans New York, c'est un l'autre poche haïtien à Cambria Heights. Donc tu gagne petite communauté haïtienne, c'est vrai que tu ça yo, tu souvent rencontré activités culturelles, spectacles de la guerre farage Myriam Doris May ou bien Carole Maoulé, Carole Demesmin. Donc c'est spectacle culturel qui était peut-être point l'aliment pour haïtiens qui vivent New York. Parce que New York là, très grand, très éparpillé, moun ou saute Manhattan ou bien Bronx ou bien Queens ou bien Brooklyn, c'est pas facile pour le rencontrer à moins que une activité bien précise. Donc, activité culturelle, spectacle culturel et puis certainement Labor Day, hein, et Mardi Gras sur Eastern Parkway, c'est un point de rencontre pour tout haïtien et puis finalement manifestation. Parce que ça chaque fois que tu as une époque ça en pile manifestation anti-duvaliriste. C'est vrai que dans le premier temps, en pile monte peut aller parce que ou pas qu'on est qui est capable parce que tes bonnes questions là entre en Haïti, là on a aéroport et puis mon yo a cherché non, non on sait le cahier. Et donc ça t'est metté, ça t'est fait en pile monte peur. Participation non manifestation t'est réduit. Très 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 réduit parce que moun te gen craintif ça surtout si yo te gen famille en Haïti toujours ou bien si yo te obligé ou bien vle faire aller en Haïti. Ouais. Donc ça me d'après c'est ça yo, ouais. Et c'était surtout Manhattan. Mais me pensais que bon communauté que t'a pris les moi ici là. Et donc me vin avec toute comme et puis même moi. On parle de 20 ans dans ça. Oui. Est-ce que Jodia, si mande Gypsy, est-ce que le satisfait de choix, non seulement quitter New York pour venir ici, et former et diriger Santa pendant 20 ans, est-ce que vous satisfait? Et qui ça qui passe, qui fait vous satisfait?
M'abdou, oui, que me satisfait de choix. Est-ce que me t'ai fait plus? Oui, certainement. Est-ce que gain plus bagaille que me t'ai voulu faire? Absolument. Mais satisfait, m'été satisfait de choix que me fait pour venir habiter Miami, impliquer dans la communauté en Jean Satéem, commencer dans l'éducation, me suivre maman dans sens ça, commencer dans l'éducation, me font petit temps comme enseignant dans Edison Senior. Jusqu'à ce que bon m'aller et puis bon on connaît promotion et tout ça m'aller dans un autre département l'autre division dans Dade County Public Schools qui était vraiment un travail communautaire et c'est là que me bral découvrir passion pour travail communautaire là hein beaucoup plus que pour salle de classe là donc me continuer intergroup relations specialist eh bien c'était un groupe de spécialistes pour qui travaillent pour Miami-Dade County Public Schools. Premièrement, nous tous c'était des professeurs agréés, donc tout le monde est licencié, etc. Mais puisque découvrir la caillou, soit une capacité ou bien un intérêt, un amour pour travail communautaire, eh bien, nous étions une équipe de 8 hein, qui était desservie toute Miami-Dade County Public Schools. Donc, ça veut dire qui ça? Si tu as un problème dans l'école, c'est nous-mêmes qui allons essayer de comprendre qui racine le problème, non? Jusqu'à arriver d'aider l'équipe l'école à dépister éléments solutions à problème non le, que ces problèmes racial, problème ethnique, problème de manque de collaboration entre une équipe qui travaille dans l'école, t'es gain ça en pile, que c'était problème tension communautaire, t'es gain ça en pile tout et donc enfin j'étais comme par plaisanterie nous dit nous c'est vraiment des pompistes. Son équipe, c'est nous-mêmes calés. Hein? Si on l'école côté gain violence, pour quelqu'un soit raison violence, hein, c'est première équipe qui allait avec superintendant. Wow. Pour que nous garder qui problème, côté problème aussi, est-ce que c'est communauté, hein? Qui est-ce dans la communauté hein, pour nous rassembler, pour que nous poser problème, yo, pour nous parler de problème, yo, et puis arriver à certaines solutions. Et donc, c'était communauté dans l'école là, et puis entre groupes tout. Parce que là, dans la période ça, t'es toujours en pile tension, haïtien, africain américain, latino, et cubain en particulier, et africain américain et blanc tout. Hein? Et songe... africain américain entre africain américain. Tout à fait. Donc, me songer parfois où on l'école et puis il y a un problème, peut-être problème racial entre blanc et noir, hein? Ou bien entre hispanique et noir. Puis à partir de premier donné ça yo, on allait chita avec tout le monde. Qui c'est qui acteur dans le problème non pour arriver à la solution. Donc ça a montré justement que c'était vraiment passion. Donc de là étant moins traversé me quitter Miami-Dade County Public Schools et puis mal traversé mal dans county hein, avec Barbara Carey Schuller parce que gon époque Barbara Carey Schuller c'est lui-même qui était dirigé unité PAM unité intergroup relations specialist ça. Donc alors, une chose que j'ai réalisé avec le travail, ça, c'est que là tout, premièrement, je viens comprendre la communauté hein, beaucoup, beaucoup mieux. Et là, je me dis communauté, je parle de Miami-Dade County en général, que le blanc, que l'Afrique-Américain, tout le monde qui a la donne. Je développe en pile relation à travers toute communauté, ça y est. Je viens comprendre certains enjeux, je viens comprendre certaines nuances qui ont un problème. Parfois, ce n'est pas parce qu'on a une volonté. Ranger un problème ou bien adresser un problème qui fait que l'ipral ranger, l'ipral résoudre. Hein? Donc, m'apprendre ça, après que me casser d'homme quelquefois tout, mais m'apprendre ça. Et puis, dans la relation, comprendre certaines personnalités à travers Miami-Dade County, et puis, comprendre comment c'est plus m'a grandi, plus m'a gagné maturité, m'a développé une compréhension qui est plus profonde de certains problèmes. Parce qu'à un certain âge, ou très idéaliste, ou voulez voir un problème résoudre, et pour penser que c'est parce que ou rassemblez tout le monde, ou met tout le monde chita, nous poser problème non, ou fermer à coup le pau, et pour dire bon, et pour comprendre que c'est fini, tout va bien. Et c'est pas vrai du tout. Parce que il y a des monde qui étaient maîtrisés, question fort, croient que bagayou n'en place. Ouais. Donc, encore une fois, leçon apprise. Et puis bon, nous avons quitté County, c'était déjà 1996. Non, excuse-moi, je suis entré dans County en 1996, je suis quitté en 2001. Et c'est là que justement, je suis allé commencer comme premier directrice exécutive de Centre-là. Alors, il faut me dire que je fais partie d'équipe Moon qui était pendant un an comme ça. Nous, Chita, nous avons posé certains problèmes que nous remarquons dans la communauté haïtienne.
Et c'est des problèmes tout que différentes institutions ont souligné pour nous. Que c'est Miami-Dade County Public Schools, que c'est DCF, que c'est DJJ, que c'est Jackson, toute institution. Et l'État, ça a dit, yo connaît un pile haïtien à Miami, mais yo pas comprendre que yo pas servi autant d'haïtiens. Ou bien DCF était particulièrement inquiété parce que DCF a une réputation en la communauté hein, comme institution qui a retiré pratiquement dans mes parents. Donc, ils étaient très sensibles sur ça et ils voulaient chercher un moyen pour que non seulement ils fassent travail légalement, mais tout pour yo profiter et assurer que la communauté en comprenne que, par exemple, dans le cas haïtien, le par exemple, ou discipliner un petit monde, discipline, mais discipline corporelle, hein, nous connaît que nous-mêmes, nous parfois aller trop loin. Ou bien nous battons, nous battons le coup qui n'est pas nécessaire, nous battons le mauvais coup, et puis coup qui te manque, et puis une fois que Timoun arrive à l'école, professeur par la loi obligé à le dénoncer, à le dire ça. Donc c'est comme ça que nous avons le problème dans la communauté haïtienne. Donc c'est comme ça que nous avons créé, parce que justement nous avons cherché, n'a regardé pour nous si nous sommes capables de servir d'une espèce de pont entre communauté et institution. Et puis, après plusieurs rencontres, plusieurs brasser l'idée, l'homme dit ça, beaucoup plus de rencontres que ta jambe voulait répéter. Mm-hmm. Puis finalement, en conclusion, nous finissons par déterminer que ça qui est important pour la communauté dans la période ça, c'est ton organisation qui t'a qu'à jouer le rôle que Saint-Lab joue là. Évidemment, le rôle a évolué, oui. Avec le temps, le besoin a changé, la communauté a gagné l'autre problème, donc nous-mêmes tout. N'a grandi, n'a évolué avec la communauté. Mais il y a une bagaille que vous adressez avec des fois dans les polices. Mm-hmm. C'est l'on fait centenaire, puis tout le monde qui est bon côté, tout le monde qui est dans l'État qui voit qu'il y a problème communauté haïtienne, il n'y a rien. Il y a un problème centenaire, et puis ou même vous pouvez faire l'autre expérience. Premier 10 personnes qui peuvent rentrer, il y a deux seulement là-dedans, haïtiens. Oui, oui. Reste assez pile un paquet de monde qui fait partie de la communauté que nous avons vécu là-dedans. Bien sûr. Parce que y'a le même problème. Bien sûr. Avec nous, y'a pas comprendre même ça, nous pas comprendre. Bien sûr. Dans la tête, nous pensons que nous ne te comprenons. Oui. C'est mon sac pour t'expliquer, le pourtant c'est nous qui parlons comme c'est. Bien sûr. Nous pas comprendre. That's alors, right. Le bagage ça a venu. Donc, bon, le bagage a venu pour vous dire, ok, ça a venu là, ok, qui s'allie et puis comment on peut organiser ou bien agencer ce qu'on faire pour répondre. Donc, premier bagage que ma première leçon à m'apprendre, c'est que, certains problèmes que nous te comprenons qui chita dans la communauté haïtienne, non seulement, c'est pas vrai du tout. Toute communauté a les mêmes difficultés. Toute communauté immigrante a les mêmes difficultés. Toute communauté minoritaire a des difficultés qui sont similaires. Toute communauté côté a des gens a fait pas bon a les mêmes problèmes. Hein? Donc, si c'est vrai que Centre-là, je vous dis, est spécialisé, qui m'a dit comme ça, si nous spécialisés dans le service communauté haïtienne, nan, parce que l'équipe nous parle créole, nous comprenons la communauté, nous comprenons la réalité, donc ça positionne nous. Pour une servile plus bien. Mais ça ne veut pas dire. Oui, oui. Ah oui, il faut dire ça tout. C'est très bien. C'est tout à fait vrai. Une équipe polyglotte, ça veut dire que non seulement nous sommes capables de gérer la communauté par nous, mais nous sommes capables d'aider l'autre communauté tout. Et nous, avec. Enfin, je ne peux pas dire que m'étonner parce que, bon, ça arrive. Nous avons pile espagnol, un pile africain-américain, selon le service que nous avons besoin. Li senti que l'œil vient dans centre là nous prend cali, nous prend soigné, nous accueille bien et nous servir avec tout cœur. Et c'est ça mon n'a cherché comme expérience. Mm-hmm. Donc que le blanc, que le noir, que le marron, l'a toujours retourné dans centre là parce que li joine un bon accueil et joine un bon service. Non, conception ça dans beaucoup la donne. Et moi le fond point, on va dire c'est correct. Ça qui arrive. Centre servir tout le monde. Oui. Mais avant que nous te gagne centre là, nous avons une équipe moun qui rentre tout dans pays, nous pas gagne côté pour nous rester, nous pas gagne moun haïtien pareil, nous qui dans aucune position. Oui. Pendant ne pas parler langue moun. Oui. Ça veut dire que le nous rentre ici. Moun que n'a servi yo, petit moun za yo. C'est parents moun za yo t'a servi nous. Tout à fait. Quand y a l'offre fait centre là et pour web moun za yo petit yo a vinn côté pour servir. Comment on senti yo? Eh bien, ce n'est pas toujours petit monde qui vient. D'ailleurs, en pile, alors si je bien comprends la question, là,
Si par exemple, première équipe client que nous avons servi, je ne veux dire petite première équipe client, ça, c'est professionnel que nous avons dans la communauté. Ok? C'est soit garder tout avocat, tout ingénieur, tout professeur, tout docteur. C'est vrai qu'en pile là-dedans, étudier en Haïti ou bien formé dans l'autre côté. C'est vrai que, par exemple, en Floride, en Miami, il y a un paquet de médecins haïtiens. Il y a beaucoup plus de médecins haïtiens que de l'autre médecin noir. Ok? Mais avocat et l'autre catégorie professionnelle, yo, eh bien, parents, yo, c'est moun justement qui t'a pris service. Pas vrai? Donc, ça veut dire que journée aujourd'hui, hein, c'est nous sommes une communauté qui travaille très dur pour que nous, capables de bailler petit pas nous, des avantages que parents, yo, pas de gagner. Hein? Donc, journée aujourd'hui, hein, nous ouais que gon bonne catégorie, gon bon corps, une bonne équipe professionnelle, hein. Donc ça nous voulait, ça nous rêvait, nous souhaitait pour communauté, hein, c'est que jeunes professionnels ça yo pral continuer inspirer petite pa yo pour yo suivre pa yo, hein, pour que yo reproduit même type de modèle de professionnalisme et de d'achievement ça, si m'kan dire ça. Peut-être question là l'onti jan m'aime aspect au bon moyen parce que m'ta pas revenir avec aspect ça, mais aspect que m'ta pas adresser c'est que c'est moun qui t'a aidé nous et que kounya là on a pété tête nous. Ah oui, tout à fait, tout okay, à fait. Comment on sent-tu? Ah c'est vrai, c'est une belle victoire. C'est bon côté pour nous tek ban kay là, tandis que communauté africain américain c'est eux même qui campent dans la rue. Si nous comme moun kan ko Charlotte, nous comme moun kan ko Steve, ok, pour nous citer deux moun ça, c'est ça. Par une manifestation. Ou par un deux. Que vous parlez de monde. En premier. En effet. Et c'est yon cap dernier monde qui allait. En effet. L'organe, ou ensemble de monde qui dans la communauté africain-américain en tout, qui bande nous côté pour nous dérêter. Qui aide. Bon, très fier parce que d'une part, nous développer capacité pour nous avoir une équipe monde qui a aidé la communauté, servi la communauté, aider la communauté à avancer. C'est vrai que nous avons toujours dit merci, nous avons toujours reconnaissant. Et vis-à-vis moun qui t'a aidé nous dans le premier temps, parce que leur fait paraître ton côté, quel qu'en soit pays où t'as paraître là-dedans, ou a perdu, ou pas comprendre rien. Donc, leur joignent un monde qui sert de guide, leur joignent un monde qui a essayé et aidé ou fait les premiers pas, faut gagner sa reconnaissance et faut apprécier ça. Donc, je vous dis, nous passons par là. Et c'est peut-être parce que nous passons par là qui fait que nous trois fiers jouer même rôle ça pour tout l'autre monde qui vient après nous. Que moun nan c'est haïtien, que quelqu'un soit étranger que lié, n'est-ce pas? Donc, et c'est vraiment une belle fierté que jounen jodi an nou gen suffisamment, nous avons un paquet de professionnels haïtiens américains qui sont bien placés pour aider la communauté à avancer à aller plus loin. Hein? Donc, c'est bien que nous travaillons comme ça, faut nous continuer de travailler pour nous continuer à reproduire même, ou bien plus même, catégorie professionnelle ça yo, et faut continuer nourrir dans cœur tout jeune ça yo, tout monde qui vient derrière de nous yo, continuer nourrir dans cœur yo yon amour pour servir communauté yo, fierté historique, fierté communautaire, fierté et héritage yo, pour que yo reconnaissance. Bon, et non, tu sais, sous pas reconnaissant, m'pa konn décrire, parce que reconnaissance, bon moun ki remen di que reconnaissance c'est la mémoire du cœur, hein. Donc faut reconnaître, parce que faut songer moun ki fort bien. Même gens ou ka songer moun ki fort des bagages qui pas ça, mais moun ki est dolent, faut songer ça. Et faut songer ça et faut d'accord pour que bien que t'es fait pour on parler pour faire pour l'autre monde. Que ou gon bagage a gagner ou pas. N'est-ce pas? Donc nous voulons vraiment nourrir esprit ça dans que jeunes qui viennent yo pour que yo même tout en position pour yo prendre et puis pour yo bailler à la fois. Combien diplômes vous avez? Bon, m'a dit que dernier diplôme que me devais prendre, c'était en doctorat. Et me devais prendre un doctorat en éducation mais en administration et éducation, si vous voulez. Et puis, mon vieux, c'est même époque ça que je commençais à travailler dans le county, hein, pour un county commissioner, et m'a dit que c'est un horaire qui ne peut pas permettre qu'on fait quoi que ce soit autre que travail. Parce que, entre travail dans le bureau et travail dans la rue, dans la communauté, hein, si tu as un temps pour manger puis pour dormir, ou pas de temps pour étudier. Donc,
C'est ainsi que m'a abandonné projet ça. Mais il y a tout notre diplôme qui enfin jusqu'à juste mon maîtrise plus un diplôme qui vient après maîtrise là, en général il y a le postmasters something. Mais doctorat m'a pas jamais finalisé parce que pas jamais gain temps vraiment. Mais moi quand même moi privé faire. Mais bon évidemment. Il y a un candidat pour le commissionner dans le district 3. Vous parlez de Barbara Schuller. Si je dis au cas pour aller pour aller dans la position commissionnaire, qui sort à prendre de Barbara? Oh. Qui influence t'y a? Oh, m'bral dou que ouais doctorat ça que m'te raté parce que m'pas capable commencer classe maintenant dans FIU etc. Et ben m'abdou que expérience que m'fè dans county en représenté pour moi en doctorat dans le sens que là ou apprendre gouvernance, ou apprendre politique, ou apprendre formulation politique, ou apprendre, ça veut dire servir en communauté, ou apprendre structure en gouvernement. Ça veut dire le gouvernement a bon service côté l'argent sorti, comment pour le dépenser l'argent, comment pour le justifier dépenses que le fait, choix que le fait, décision que le fait. Donc vraiment, c'est une expérience extraordinaire parce que c'est vrai que il y a des monde qui apprend l'administration publique, l'école, mais c'est l'heure ou la donne qu'on comprenne ça lié tout bon vrai. Donc dans ce sens ça, c'est faut me dire baba Kari Schuller merci que me t'ai occasion faire expérience avec lui. Ensuite, son monde qui apprend moi en pile tout, faut me dire que non seulement pendant que me t'ai travaillé avec lui comme le county commissioner, mais pas oublier, c'est lui même qui était boss unité que me t'a parlé là dans interpopulations là. Donc là tout, c'est-à-dire nature aspect politique en job. Aspect politique communautaire, comprendre dynamique politique communautaire. Il était très influent à aider nous comprendre ces deux bagailles. Et m'a songé on commentaire que le fait en l'homme, pas sans oublier ça. Commission avant chaque réunion, moi il s'agit de briefing parce que faut tout le monde qui est dans l'équipe commissionnaire connaît qui s'accapare sur agenda et réunion commission pour que si c'est un portfolio par pour préparer pour baldonner qui nécessaire information qui nécessaire pour poser questions qui nécessaire et peut-être formuler des recommandations qui nécessaire. Nous songeons là nous fin diloquer mais ça proposition hier mais ça administration a proposé et puis il dit gon l'autre bagaille qui derrière ça. Dit non mais ni mais ça dit parce que tout ça ouais là gon antécédent. C'est soit que gon moun ka pousser question ça ou bien gon l'autre donné gon antécédent gon al chercher connait qui ça t'est venu avant ça. Mais là c'est son cook and chain leçon que l'apprend nous parce qu'en effet t'es gain antécédent mais ça montre valeur expérience. Parce que justement expérience ça puisque t'es commissionneur yon fois déjà et puis li perd une élection, li prend ti break. Là elle prend break c'est là ça vient travail pour Dade County Public Schools, lui vient à la tête de unité ça que m'tab décrit. Donc c'est expérience antérieure ça qui t'est fait capable connaître c'est pas aussi simple que ça. Ou bien toujours bon derrière, toujours bon bagage derrière un document qu'on appelle comme ça. Donc on pensait que ça son notre leçon que m'apprendre de lui, m'apprendre tout de lui l'importance que ou parler avec monde. Importance pour tant des monde surtout si vous voulez représenter intérêt monde ça et faut assumer que monde toujours gain solution à problème né il peut-être pas fin clair sur choix que t'a fait ou bien ou un petit conseil qu'au cabali mais ça monde a besoin li connaît il gain pas gain moyen faire pour compte mais li connaît donc valoriser vraiment parler avec monde ça me pas oublier ça et ça servir en pile dans centre là. C'est là n'a parlé avec client nous yo parce que nous fait ça en pile parler avec mon en pile pour nous comprendre mais nous pral mettre sous pied un programme là programme là j'en envisage là nous penser que les résultats qu'a 1 2 3 est-ce comment ouais 1 comment ouais 2 comment ouais 3 et puis client pral dit ah sous 1 2 3 on préfère 3 oui parce que 3 a pédé me fait 1 tel bagaille et pour ça mon nom de là c'est toujours correct parce que moun nan konn sa le besoin, li pa gen moyen pou le faire pou kont li, mais li konn sa bon pou li. Pour diplôme avec expérience je sais. Ou ka fè n'importe qui job qui a payé plus qu'un job commissionnaire.
ou que la chita la caillou, et si n'a fait à la mode, oui. Ou faire sous Zoom, ou faire sous computer sans qu'on soit obligé de sortir, oui. Ou à faire, ouais, possibilité, potentialité, et tout ça, on a dit, bon, il a fait 500 000 dollars pour l'année, si la travaille pour côté. Ou non sans, qui ne peut pas permettre qu'on fait tout comme ça. Kounia là! Ou pas un job qui pourra permettre qu'on même fait quoi pour faire dans ça. Ça c'est alors, bien. Alors, d'un qu'on explique. Pour qui ça? Fais un problème. Parce que tout le monde a cherché pour y aller plus haut. Bien sûr, bien sûr. Pour y aller plus haut, puis ou même choisir pour aller dans le pour aller comme commissionnaire, qui gagne un pile draca. Raison, il y a un monde qui a dans bagaille politique, ou en face, tant que papa me dit, du peuple. Ça veut dire, quelle que soit la décision faite, il y a 50% pour, 50% pour. Ça c'est vrai. C'est comme ça que ça c'est vrai. Mais pour qui ça c'est choisant? Ça c'est une très bonne question. Et même si je ne suis pas arrivé à étaler toute réponse, je me dis que premièrement, dans le moment ça en vim, côté justement son dernier niveau de service que m'a offert communauté, je vais en face côté, je vais retraiter si je veux. Évidemment, je suis obligé de ajuster économiquement anti-classe, mais je vais dans l'étape côté, je vais faire choix ça, parce que je ne suis pas loin de la retraite. Okay? Parce que ce n'est pas un choix que je fais facilement il y a 10 ans, ou même 15 ans avant ça. Hein? Parce que justement, son choix qui a des implications économiques, donc je ne suis pas sûr de comment je vais l'agencer. Aspect économique là avant même que m'ta dit m'pral dé un job qui à peine si c'est 6000 dollars là hein en commissionnaire touché bien content ce que dit ça m'ta pas dit même bien content ce que dit mais ça sans que m'pa souffrir trop ouais et m'pa dit que m'pa souffrir du tout non les pral inconvénients faut m'ajuster m'comprendre mais m'te travaille dans vie suffisamment qui pour permettre m'en faire choix ça ouais. Donc, et quand on dit ça, on doit être capable d'en retraite, parce que l'homme, on y veut arriver dans l'eau, capable d'en retraite anticipée, ou bien pour retraite, parce que c'est date là qui veut, l'âge là qui veut. Et puis, quand il y a assez de temps, voyager, et faire bébé. Tout à fait, pour tout à fait. Visiter, et côté pour pas de gens, oui. Ou même, rêve ou son l'autre. C'est ça, même. Oui, oui, mais je comprends très bien la question. Parce que justement, parfois, je me dis quête. Je me suis en tournée en Afrique, ben, comme ça, donc, mes initiatives. C'est bien, encore une fois, il y a des décisions, il y a des choix qu'on fait, qu'on ne pas toujours comprendre pour qui ça, mais où tout simplement, il y a un ensemble de situations, un contexte qui mène vers ça. Ou pas toujours comprendre pour qui ça tout de suite. Mais c'est peut-être après qu'on pourra le comprendre comment on fait arriver là. Certainement, son bagage que je voulais, certainement, je crois que, en moi-même, la communauté a un représentant qui a fait fierté. En moi-même, la communauté a un monde qui a pris le travail goumé dans l'intérêt de monde qui est plus faible. Mais parce que ça, c'est histoire, moi, c'est trajectoire, moi, c'est dans ça me lever, c'est dans ça me croire. Hein? En moi-même, communauté a un monde justement qui pral poser problème gens yo doit poser hein. Et donc me pensais tout que expérience 20 ans d'expérience que me fait dans centre là tu sais là nous commencer centre là nous te grand budget de peut-être 20 000 dollars et puis au scob et puis servir plus monde et me voulait que nous comprenne très bien que l'argent pas là c'est pas comme si on ouvre un non profit et puis garantir quoi jeune cob. Joindre Coblan, c'est un bagage, son tête chargée, ça y est. Hmm? Tête chargée dans le sens que, ou ap écrit grand matin, midi et soir, gagner qui que résultat positif, gagner abdou, oui, son bel proposal, mais par un cob, ou bien ou ap mande 100 000, yon bon 10 000, parce que c'est ça, son bagage. Donc, c'est toute la journée ou à la quête de l'argent qui pour permettre tout, payer tout ce rien pour payer. Tant qu'on n'importe entreprise privée, hein, de salaire jusqu'à local cotoyer, lumière et lumière, électricité, courant, de l'eau, matériel pour fonctionner, téléphone, tout ça c'est des dépenses que l'organisation à but non lucratif, une non-profit organization, li gagnent à même titre que une entreprise privée. Pas une différence entre deux entreprises, for profit ou non-profit,
Peut-être seule différence là, c'est que profit que yon non-profit fait ou pas qu'à payer directeur non-profit ça avec lui. Hein? C'est pour réinvestir dans l'organisation. Ouais, c'est seule différence là. Parce que normalement, ou voulez à la fin de l'année, le par exemple, nous organiser fundraiser annuel nous, eh bien nous voulons faire profit. Parce que c'est dans faire profit ça qu'on prend le grand si du plus qui peut permettre de boucher un trou, parce que ap gon trou pour boucher quand même dans l'autre année qui va venir. Ce qui veut dire que moi, je me sens pourquoi vous voulez répondre pour qui ça non? Parce que pas une question de quoi. Pourquoi vous voulez répondre? Pourquoi dire pour ça? Eh bien, c'est un appel qu'on gagne parce que c'est même ça il y a dans la langue américaine. It's a calling. Bucket list. So, ça a un bucket list. Tout autant pas arriver à faire what ça. What a bucket list. Faut capable satisfaire une grande majorité ou qu'on est qu'on fait un travail qu'on contacte tout chaque jour pour dire que mon contacte moi mon ami gypsy. Ça me dégaine depuis le 13 ans jusqu'à je vous dis beaucoup senti me satisfait. Wow. Mais tout autant pas est-ce que c'est ça? Son calling en effet, son calling parce que si me t'a choisi rester à la tête de centre là pendant 20 ans tandis que me t'ai une autre perspective, donc déjà ouais que son calling. Parce que l'autre a par exemple que me t'ai choisi à dans un secteur qui permet de faire plus comme certainement me t'ai fait. Mais même choisi parce que c'est ce travail ça que me remet, c'est travail ça que me devrais faire. Donc aller par exemple présenter tête comme candidat pour un county commission, eh bien pour encore une fois c'est même bagaille là, parce que là au niveau county commission là, j'ai capacité et habilité pour me toucher plus monde de manière qui plus durable et puis qui ont plus gros impact. Ouais, donc là je pensais que c'est une des bagages que j'ai tenté faire, non seulement au profit de communauté, hein, au service communauté. L'homme dit communauté, je ne pas vous dire haïtien seulement, s'il vous plaît. Non, non. On a parlé de monde qui habitait dans le district. Je pensais que j'ai une tradition qui est très, très, très polyculturelle. Je parlais trois langues ou quatre langues qui parlaient dans la communauté. Je comprends très bien. Histoire et culture chaque groupe ethnique qui est en dedans district ça valoriser respecter et comprendre justement qui rôle poids historique et poids culturel dans gagner pour chaque monde ça yo clair que gain des difficultés que nous toutes gagner nous gain même difficulté hein monde qui travaille qui pas touché assez qui pas ca joindre un caille qui gain prix abordable qui pour permettre lui vivre avec petite lui ou bien moun k'ap viv nan quartier que y estime ki pa gen sécurité ou bien moun ki pa kapab joine les deux bouts ou bien moun ki pa gen moyen même meton 5 cop de côté hein là très souvent pa gen couleur on a difficulté ça parfois li frappe blanc justement donc jan frappe un li frappe tout moun même jan et li important pour comprendre racine problème nan pour que capable rive à adresser le pour joine solution donc pour moi même peut-être que son sacrifice pour sacrifice personnel, sacrifice pour communauté hein, mais moi estime que ça son rôle que son bagage que me doit faire. Me doit ça à communauté hein. Maintenant, de savoir qui ça peut passer, mais it's a calling. Son calling. Non, moi de héritage haïtien. Oui. Et aussi, est-ce qu'on est conscient que majorité professionnelle que nous gagne. Majorité mesdames yo et monsieur, bien content d'avoir jeté monsieur qui est en position de pouvoir, tout passe par son temps. Si nous prenons exemple, pas bon exemple, je ne peux pas dire tout. Je ne peux pas dire tout. Non, je ne peux pas dire en pile, même pas majorité. Oui. Parce que gagnant qui pas vraiment un lien avec centre là, peut-être que il a supporté le travail centre là, il a appuyé, il a connu. Yo bay donation ou bien si n'a fait activité yo vini gen des moun qui prend service gen des moun qui participe dans différents programmes que nous fait que ces programmes fellowship plan programme leadership que centre la mettait sous pied c'est là comme on tant que les Vanessa Joseph les Centra Denis et toute une équipe de l'autre monde les Merlin Fouron les Shirley Plantin pas de jambe en faire mais elle était toujours en dedans en dans cuisine fellowship plan et c'est même bagaille pour Sandy Saint-Ville. Donc c'est des jeunes que vraiment moi vraiment content et fier que m'te gain chance pour me jouer un rôle dans vie pour non seulement pour comprendre qui est sur eux
comprendre que à la fin des fins c'est haïtien ou pas gain personne qui ca retirer ça à moins qu'on fait cadeau. Donc tradition et héritage culturel et historique que nous comme haïtien hein? Personne pas ca retirer ça non mais quel que soit jonte à mal jodi ou demain c'est un bagage c'est un élément historique que personne pas ca effacer. Donc élément historique ça pour moi-même c'est son puissance parce que élément historique ça ca rappeler au que ou capable réaliser des bagages extraordinaires même gens qui ancêtres tout hein et ou saute notre tradition peuple qui connaît faire l'histoire. Alors c'est pas l'autre dit son belle notion hein l'autre dit au moment Haïti gon tradition de faire l'histoire. Gen des monde qui si ou pas connaît histoire yo trop bien yo dit mais comment ça veut dire parce que dans état que pays d'Haïti est là. Oui c'est vrai que journée aujourd'hui elle a traversé un carrefour qui pas fait nous une plaisir mais nous toujours gain espoir non seulement parce que gain la vie gain haïtien qui vivent en Haïti et dans diaspora toujours nous gain espoir parce que nous connaît que n'a privé nos carrefour côté haïtien pour trancher question ça moi remet humilité parce que l'homme demande tout le monde comme si des noyau là pour parler de Haïti faut là en cachette pour regarder dans qui hauteur et puis à qui mot puis au déclos. Jodia, m'a regardé, nous avons sénateurs, nous avons députés, nous avons magistrats, nous avons avocats. Mm-hmm. Okay. Nous avons médecins, nous avons professeurs, nous avons ingénieurs, nous avons pharmaciens. N'a pas parlé de 30 ans. Mm-hmm. Nous sommes une communauté qui a presque 50 ans depuis nous dans cette Floride. Mais dans moins de derniers 20-30 ans qui passent tellement de professionnels, nous allons tellement rapide, tout le monde est regardé dans le même barreau. Ou quoi avec 5 jeunes haïtiens, 3 là-dedans, avocats. Très juste. 2 l'autre, qui ont un diplôme, c'est professionnel. Très juste. Soit ils sont professionnels à l'université, soit ils travaillent dans une compagnie bien déterminée. C'est vrai. Ok? C'est vrai. C'est à respecter. Mm-hmm. Jodia, nous avons 12 filles qui sont candidats pour position. En tant que femme, dans le sud de Floride, en Miami, comment on sentit? Ah, je trouve, premièrement, je dis que c'est le temps. Je pense que mesdames, que haïtiennes, que vous sortez dans l'autre groupe ethnique, en général, mesdames, vous toujours travaillez d'arrache-pied, mesdames, vous toujours très présents, mesdames, vous toujours à faire bagaille avancer, même le parfois, il y a toute une série de circonstances en société hein, qui fait croire que faut y aider. Faut y pas mettre tête, faut y pas paraître devant, parce que y a l'autre occupation, y a l'autre responsabilité, donc il n'y a pas qu'à gagner temps pour occuper espace front and center. Ouais. Mais, si vous regardez l'histoire, mon vieux, derrière chaque graine, chaque grand homme politique, chaque grand leader politique, toujours une fille qui l'a avec lui, qui a pédé elle, qui a conseillé elle, qui a pédé elle prend décision qui correcte, qui a pédé elle prend bonne décision et fait des bagailles qui durables. Donc, dans ce sens-là, m'pas choqué du tout que mesdames aient une capacité ça. M'suis très content que dans l'année 2020 ça, puisque n'a fêté aux États-Unis centenaire, de date que mesdames aient un droit pour voter. Donc, aux États-Unis, étant donné que nous beaucoup plus avancés à certains égards, donc nous pensons que date historique ça, c'est peut-être un élément qui propulsait toutes mesdames. Ça veut dire attention, Anessa, m'a déclaré tête point candidat. Donc, son bon bagage pour la communauté haïtienne, non? Son bon bagage pour mesdames un petit peu partout à travers le monde. Et historiquement, nous parlons ça, ça baille. Elle était là, elle était temps. C'est une belle raison dans mes affaires. Merci, Marc. Mais, question que m'a posée. Oui. Alors, pas une question. Est-ce que vous avez un message important, basé sur l'expérience, en la communauté haïtienne, ça, avec 100 ans, est-ce que vous avez un message, non seulement pour candidature, et pour la communauté haïtienne, avant que m'a dit au bye-bye? Est-ce que vous avez un message pour... Une question que m'a pas posée. Bon. Peut-être qu'il y a une tête, tout à l'heure, partager avec vous. Message que peut-être, alors, m'a pas vraiment préparé, non, pour me répondre ça, mais m'a pensé, ouais, qui ça qui est important. Pour la communauté en général, là, m'a dit tout le monde, pour yon pas oublier qui est sur yon, côté yon sorti, pour yon pas oublier dans qui communauté yon levé, qui communauté permet yon jouer tout avantage et tout bénéfice que yon a joué aujourd'hui, hein. Donc, ça veut dire, qu'un bilan ou,
kembe racinou, kembe relation qu'on gagne avec moi dans la communauté, parce que c'est ça d'abord qui pral renforcer ou qui pral bon plus force pour aller côtoyer et courtiser moun dans notre communauté. Donc faut pas abandonner bazo, c'est le premier message que m'ta bay. Et pour mesdames yo, m'ta dire bon encore une fois et nous t'es toujours là dans tout dans l'histoire de l'humanité, ainsi si nous veut prendre les filles qui peut-être pire que tout le monde parlait de Cléopâtre jusqu'à pas connait puis près de nous mesdames qui sous scène politique dans journée aujourd'hui. Écoute, nous connaissons ça me ka fait, nous connaissons très bien que leur fille au pouvoir, ils ont sensibilité. À côté du fait que nous dans tradition Catherine Flon nous coller pièce hein, dans tradition défilé, nous connaissons très bien qu'il leur pour nous sembler que nous pas fin comprendre trop bien ou bien nous comprendre, nous connaissons qu'il leur pour nous couler, nous leur qu'il leur pour nous filer, hein, nous comprennent très bien que on maï chaud c'est à côté pour manger, pas vrai? Et nous comprenons très bien que gagne des bagages qu'on dit ou gagne des bagages qu'on pas doit dire. Nous gagne comme maman, comme femme, comme monde qui là qui travaille dans la communauté, nous gagne en sensibilité et nous gagne en façon que nous comprenons la vie, nous gagne capacité et étant donné c'est finouillé, nous connaît qui ça nous compte ça bon. Nous comptons ça bon pour petite nous, pour moun la caille nous et pour communauté nous. Et pour moun nan distritoire, pour qui ça peut sauter à l'autre. Parce que je veux un moun qui vraiment prêt à servir de champion, un moun qui a représenté dans tout sens. Mm-hmm. Et dans tout sens? Dans tout sens. Qui a représenté tes intérêts, qui a représenté ça yo vle, qui a reflété aspiration yo. Et qu'a représenté un gens qu'a fait au fier. Absolument, ça c'est première promesse que me fait. Première promesse que me fait tout le monde qu'a vivre dans district ça qui t'a gagne comme représentant yo, moi garantir que me pas jamais pas fait temps pour me parler avec yo. Est-ce que vous satisfait de tête Gypsy? Moi toujours pensais que me ca réaliser plus. Me pensais que me ca fait plus, me pensais que si me gagne 48 heures dans journée, me peut-être réaliser plus bagage. Mais certainement, toujours qu'à faire plus. Gypsy, c'est moi, héritage haïtien. Oui. Et c'est moi, et côté que nous-mêmes, nous avons fait moins de fête et fête, maman. Mm-hmm. Gigi, valoriser dans mon cas, c'était une bonne fête de mère haïtienne. Tout à fait. Gypsy, valoriser dans mon cas, nous sommes fiers de vous. Merci. Continuez de travailler pour nous. Merci. Quand vous l'avez dit pour nous, pour toute communauté, la grande communauté que nous-mêmes nous la donne. Et valoriser nos amis de ta foi. Est-ce que ensemble avec vous, vous dit tout le monde tout, pour valoriser tête sur nos amis de ta foi. Un, deux, trois, un valoriser tête nous, nos amis de ta foi. Merci Marc. Merci pour participation. Merci. Pas oublier dans le district 3, de là pour candidat, Bali support. Non pas moi c'est Marc Ruben, ou bien nous sur YouTube. Et s'il vous plaît, subscribe, abonnez. Faites amis avec nous. Suivez-nous sur Facebook. Et là, on a besoin avantage, opportunité pour nous mener plus haïtiens ordinaires qui font un travail extraordinaire. Monde qui valorise chaque jour dans tout ça que vous fait, que vous supposez qu'on est. Yo un mieux pas jamais parler. Mais podium non, c'est pour yo, c'est pour nous et monde ça c'est monde pas nous. On dit tout le monde merci, non pas moi, c'est Marc Lubin. On a continué valoriser tête nous dans notre parcours. Merci. Abonnez, subscribe.